spectateurs, ils ont vu des buts, mais voilà, moi j'aurais préféré peut-être en marquer un peu moins, mais gagner le match, encore une fois. Voilà, on savait qu'on devait régler des problèmes d'efficacité offensive, et je pense que ce soir on a vu vraiment, en tout cas sur les trois buts, au moins deux buts magnifiques dans la construction et dans la finition. Des garçons qui sont capables de marquer, je suis content pour Christian parce qu'il a ouvert son compteur, Yann Bénédicte aussi qui confirme son état de forme. Après, s'il faut marquer 4 ou 5 buts à l'extérieur pour gagner un match, c'est plus compliqué. Et là, c'est vrai qu'on a été un peu friable, et notamment sur des phases, déjà la première phase statique, corner, où on est averti de ce qui se passe. Et c'est pas possible de voir des joueurs tout seuls dans la surface de réparation et marquer comme à la parade au bout de 15 minutes de jeu. Ensuite, on marque contre notre camp. On arrive malgré tout à revenir, on est à 2-2, on sent qu'on a des opportunités, qu'on peut faire des choses, notamment offensivement, qu'on peut se créer des situations, qu'on peut mettre en difficulté l'adversaire. Et c'est ce qui arrive sur la deuxième mi-temps. Je pense qu'on fait vraiment 20-25 minutes vraiment très bonnes en deuxième mi-temps. On passe devant au score. Et malheureusement, après, on se fait contrer à l'extérieur alors qu'on est devant au score. Et c'est ça qui est regrettable, c'est de ne pas avoir cette maturité et cette lucidité pour savoir garder le score, être efficace défensivement. Et bon, voilà, donc à l'arrivée, c'est une défaite qui fait mal à la tête. Maintenant, je ne pense pas qu'on soit largué au niveau du national. On voit que dans le contenu, face à une équipe de Concarneau qui, quand même, est réputée chez elle pour être vraiment très, très solide. On n'est pas loin du truc, mais c'est vrai que pour les joueurs, encore une fois, moi je voulais qu'ils soient récompensés, c'est pas le cas ce soir. Ben, il faut travailler, il faut continuer, il faut faire le dos rond, il faut bosser et puis avancer, et surtout avoir les ressources mentales pour rebondir et repartir de l'avant contre Tour à domicile, parce que de toute façon c'est tous les week-ends la même chose, tous les matchs sont compliqués et difficiles, donc il faut absolument que les garçons soient capables de d'effacer cette défaite qui fait mal à la tête, je le répète, mais c'est le foot, c'est comme ça. Mais maintenant, à nous de régler les détails qui font que pour l'instant, on n'arrive pas à engranger des points précieux.